Donc, dans le film précédent, nous avons présenté les fondamentaux du point. Dans cet exercice, nous allons vous présenter les fondamentaux du tir. Alors, il faut savoir que pour le tir, il y a aussi des conditions. Pour que les boules soient, le tir soit régulier ou irrégulier. Pour que le tir régulier, déjà, le tireur ne doit pas mettre le pied ou franchir cette ligne. Et la boule qui est projetée doit taper un objet qui est à 50 cm maximum de l'objet à l'ancien. Dans le tir, il y a trois sortes de tir. Pour les débutants, il y a le tir à deux pas. Ensuite, il y a le tir, ce qu'on appelle à quatre pas. Et puis, qu'on utilise surtout pour les joueurs débutants. Et puis ensuite, il y a le tir à six pas. Après, c'est dépendant de pas. Chose importante, c'est toujours clair. Et on arrive toujours sur son pied droit. Et comme on a vu tout à l'heure sur le diriger du point, c'est la jambe qui va pousser le bras. On jette sa boule, on lâche sa boule en hauteur des yeux et on suit sa boule. Si on fait un arrêt, il y aura un blocage d'épaule, la boule partira sur le côté. On jette sa boule et on suit sa boule dans la continuité. Donc là, par rapport au tir de pas, le geste qu'on utilise pour les débutants, de façon à arriver sur son pied droit, sur les droitiers. Donc une chose qui est très importante, c'est la flexion de la jambe par rapport au bras. Et on jette toujours sa boule à hauteur des yeux et on suit sa boule tout droit. Et bien, voilà. Une chose qui est importante, la question, c'est quand je joue sur une boule, j'essaie de mettre mon pied orienté vers le fondif que je vais tirer. Si je mets mon pied comme ça, il y aura un suivi de l'épaule. Poste 10. Donc maintenant, quand on va le tir à 4 pas, ou la course est beaucoup plus longue, donc ça demande une maîtrise de la course, de façon à être coordonné sur une queue de jeu. 1, 2, 3, 4, voilà. Et puis, 1, 2, 3, 4, voilà. Le tir à 6 pas, où la course est beaucoup plus longue, il manque beaucoup de maîtrise, surtout dans la course, car c'est une course progressive, de façon à arriver sur la ligne de jeu au bon moment. Chose qu'il faut remarquer, le départ, c'est toujours le pied du côté de la boule qui est droit, de façon à arriver sur le bon pas, sur la ligne de jeu. Cool.